Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 sur Pokémon Émeraude. Super, alors ça y est, on me stalke direct, c'est Bibou. Voici ma nouvelle chanson, hein, Bibou. Tralala, je suis mignon, spécial. Je me fais stalker par des gens bizarres, au secours. Au secours, ça commence bien. Alors là, on s'était laissé là où je devais traverser toute la route. Là en bas, c'était une tempête de sable, on pouvait pas y aller. Regardez, hop, on peut pas y aller. Oh là là, tempête de sable, oh là là, on peut pas avancer. Et du coup, j'étais un peu plus en haut, moi. Et il faut savoir que maintenant, on peut débloquer. On peut grimper à cette... Ah, aussi, une lienne, si on descend une lienne. Alors, à savoir qu'il y a un petit personnage qui m'a parlé et qui m'a donné une compétence pour les Pokémon, me permettant de débloquer en fait des cachettes secrètes, des espèces de QG, en utilisant par exemple force cachée sur les armes, comme vous venez de le voir succinctement ici, juste là. Et je peux après, je venais de m'en rappeler, j'avais oublié ça, mais oui, on peut se faire des petites cachettes, des petits QG sur les arbres qui sont ici et sur les petites fissures. Rappelez-vous-en que j'avais vu là, attendez, on va essayer de vous en montrer une. Les petites fissures qui sont ici. On peut faire ça avec un Pokémon. Pour l'instant, je ne les ai pas équipés parce que pour le moment, on s'en bat un peu les steaks. La dernière fois, on avait battu cet homme. Et on... Oui, c'est tout. Et après, là, ça revenait à la tempête de sable. J'étais beaucoup plus loin. J'ai fait pas mal de choses et vous allez être fiers. J'ai tellement de choses à vous montrer. Premièrement, ici, c'est la demeure d'une vieille dame qui vous empêche de sortir pratiquement. Elle peut guérir beaucoup de Pokémon, mais elle vous dit presque à l'infini. Tu veux pas rester un peu pour... tu veux pas rester un peu, tes Pokémon sont encore fatigués, tes Pokémon sont encore fatigués. Non, là, j'ai battu tous les trésors, les dresseurs qu'il y avait sur ma route, ici et de l'autre côté. Et j'ai découvert un nouveau biome, ici. Là, en fait, il pleut des cendres, ce qui n'est pas du tout dangereux. C'est pour ça que vous voyez que les herbes, elles sont de couleur grise. Et quand on va dessus, ça retire la cendre, je la récupère. Et l'herbe redevient verte. Et en récupérant ça, grâce à un monsieur qui m'a donné un sac à suie, ça me permet de récolter les cendres que je laisse sur les herbes. Et apparemment, il peut me donner quelque chose. Je vais aller le voir juste après. Mais d'abord, il s'est pas passé moult choses. J'ai des nouveaux Pokémon. Déjà, j'ai Moustique Junior que j'ai augmenté au niveau 24. J'allais dire à fond, mais il est surtout au niveau 24. Mais j'ai surtout quelque chose de plus intéressant. Alors déjà, je vais lui prendre son objet. Désolé, Moustique Junior, mais je te prends ton objet parce que j'ai... Ah, voilà, vous le voyez tout de suite. Il y a un nouveau Pokémon qui s'appelle Snake. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Snake? Et, oh oui, d'abord, hein, j'ai eu un Machoke que j'ai maximisé. Je sais plus si j'avais capturé dans l'épisode précédemment, je sais plus. Mais j'ai maximisé le niveau 27. Il est beau, il a des belles attaques. Il est magnifique pour Machoke et j'attends bientôt qu'il évolue. Voilà. Et j'ai surtout croisé un Pokémon, mais je le savais même pas ici. Un Servipère. Et oui, ça va être mon Pokémon attitré. Comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, j'essaie de trouver des Pokémon attitrés à la Cats Family. Cats, bon, Cats c'est Arco parce qu'il est vert. Normalement c'est un félin, mais le félin Mangriffe, il est dans la version Ruby. Et le félin Skitty, il est trop mignon pour être Cats. Enfin, il est un peu bizarre si je prenais Skitty pour Cats. Du coup j'ai pris Arco qui est vert. Et voilà, du coup nous avons trouvé Snake, le Sévipère. Qu'il est beau, qu'il est magnifique, c'est un Pokémon poison. Il est trop beau et il a une particularité. Sa compétence passive là s'appelle Mu. Mu pour se soigner en fait. Ça, alors ça arrive, c'est une compétence qui arrive aléatoirement, hein, ça arrive pas tout le temps. Mais si par exemple Snake, le Sévipère, est par exemple paralysé, ou endormi, ou empoisonné, ou brûlé, normalement Mu l'a guéri. Totalement, ce qui est super cool. Et du coup ça fait, le problème c'est que j'ai deux Pokémon poison, Snake et Moustique. Du coup je vais devoir abandonner Moustique Junior parce que j'avais déjà décidé quel Pokémon allait être alloué à Moustique. C'est pour ça que j'ai appelé dans l'épisode, je sais plus combien, je crois que c'était l'épisode présent. J'ai tellement fait plein de off que je sais plus à quoi, si je l'ai dit dans l'épisode, ou j'ai capturé dans l'épisode avant ou après, je m'en excuse. Mais c'est pour ça que je l'ai appelé Moustique Junior, parce que justement, c'est pas le vrai Moustique, c'est on va dire le fils spirituel du Moustique.
le vrai Moustique va arriver. Du coup, je vais m'en débarrasser, mais pas maintenant. Je me suis dit, je vais quand même vous montrer un peu du gameplay avec Moustique Junior. Du coup, nous avons Snake et Moustique qui sont côte à côte, hein, quand même. On va pas les séparer. Kat, toujours en 1, 2, 3 et 4ème position, parce que 4ème, il aime bien ça. Nous avons Galekid qui a aussi augmenté de niveau. J'ai pu lui redonner son attaque griffe d'acier. Parce que justement, il y a un monsieur que si vous lui donnez des écailles cœur que vous trouvez, je sais plus comment. Je crois que c'est un monsieur qui l'avait donné. Et ben, il peut vous réapprendre des compétences que Galekid avait oubliées. Rappelez-vous-en que comme je l'avais mis à la pension, il avait oublié griffe acier et ça me faisait casser le couille. Rocailleuse aussi, elle est tranquille, elle est là. Hein. Et on va continuer pour la suite. J'ai bien avancé. Allez, on va se faire un petit kiff. Allez, on va se battre avec le snake, le serpent. Regardez comment il est beau. Oh, il est beau, il a des petits cœurs. Quand il apparaît, parce que je l'ai attrapé avec une faible ball. Parce que j'avais pas de Pokéball jaune. Je crois qu'il y a les hyperballs qui sont jaunes et noires qui sont super belles. Mais j'ai pas encore des Pokéballs. Mais c'est pas grave, quand il sort de la Pokéball, ça fait des petits cœurs parce que je l'aime. Regardez les balls, c'est hyper. Alors il n'a pas d'évolution, ce qui est triste, mais il est déjà très beau comme ça. Du coup, on va lui faire une petite queue de poison, le poisson. Regardez-moi ces belles attaques. Allez, one shot le non. Oh, il l'a pas one shoté parce qu'il veut s'amuser avec sa proie. Voilà. Allez, ça, c'est battu, bientôt au niveau 25. Allez, hop. On avance. Je ramasse un peu de suie en même temps et je vais aller voir le monsieur pour les cendres. Que je ramasse des cendres pas pour rien quand même. Oh, le snake, il est beau le snake. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez le snake? Mais oui, évidemment, si vous êtes dit le contraire, désabonnez-vous tout simplement. Le mec, il y va pas de main. Il est beau le célipère. Bon, hop, allez, une petite léchouille, parce que le snake, il aime bien lécher. Ouais. Ah merde, ça n'affecte pas Spinda. Merde. Bon, bah, j'ai... Et ça dans le vent. Je savais pas, que je m'en rappelais plus qu'il était immunisé à ça. Bon, un petit ligotage, on va le ligoter. Parce que Snake aime ligoter. Mais Snake, il aime rater aussi ses attaques. C'est tout à fait mon personnage, il fail aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris un personnage qui s'appelle Snake, parce que du coup maintenant. Enfin, je dois l'avoir appelé Snake parce que maintenant il a tous mes malus. Oh ah, le 1 XP qui n'augmente pas. Voilà. En tout cas, j'aime bien le biome ici avec les cendres. Je trouve ça assez stylé, assez cool. Ouais. Oh, par contre, s'il vous plaît, bon, excusez-moi, hein, c'est sur la route, c'est Pokémon, il y a des Pokémon. Le mec qui est venu là pour voir des combats en 1 contre 1, free fight. Bon, il y a un peu de ça dans Pokémon, mais c'est pas la même chose. Oh, il m'a fait mal, hein, le machin, et quand même. Eh oh, tu fais pas mal à mon Snake, hein. Voilà, t'es vilain, pas beau. Snake monte au niveau 25. Intimidation, mais Snake a pu. On va voir ce que c'est intimidation, mais c'est pas. Intimider l'ennemi et le paralyse de terreur. Ouais, c'est précis à 75%. Oui. Il a pas besoin d'avoir intimidation, il est déjà très intimide. Hein. Ah, mais non, je voulais pas. Bon, il y a des petits enfants. Tu sais ce que c'est le pire quand tu te caches, c'est de rester seul si personne ne vient. Il y a des petits enfants qui se cachent sous les cendres. Alors, les enfants, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Déjà, ne faites pas. Quand il y a de la cendre chez vous, c'est qu'il faut vous inquiéter, premièrement. Et ne faites pas ça, c'est très dangereux. Hein. On respire pas la cendre, nanana. Bon, par contre, fais chier là, il y avoir plein de Pokémon. C'est toujours le même en plus, alors qu'il y a un putain de. Un Pokémon vol et acier, non. Si, c'est ça, il a vol et acier. Qui est assez stylé, mais qui vient là, jamais là. C'est que des Spinda de merde. Je trouve ces Pokémon dégueu. Enfin, ils sont pas moches. Oh ouais, one shot, bien joué Snake. Merci. Ils sont pas moches, mais ils sont pas intéressants non plus quand même. Par contre, ouais, ils m'ont. Je vais retirer. Non, parce que j'ai multi expérience, je vais pas lui retirer. Non, je suis con. Excusez-moi, je réfléchissais entre deux. Oui. Bon, la maison du monsieur, faut que je lui donne la cendre ici, j'espère que j'ai assez de cendre. Ah, un lit magma pour changer, ça fait du bien. Allez, Snake, go. On va lui démonter sa queue. J'espère que je vais pas me faire brûler, mais c'est... parce que si vous le touchez avec une attaque physique, normalement ça peut brûler. Oh, bah je l'ai one-shoté, du coup il aura peut-être pas le temps. Ouais. Voilà, ce monsieur-là. Atelier du verre, ici on transforme les cendres volcaniques en objet de verre.
Mais sors de là, petit enfant! C'est dangereux, ne joue pas dans les cendres, ne faites pas ça. De ramasser des cendres? Hatché! Voyons donc, hatché! Oh, tu as beaucoup de cendres, hatché! Je vais te faire un objet en verre, que veux-tu? Une flûte jaune, une flûte bleue, une flûte jaune. Ah, elle fait des flûtes, c'est vrai! Une jolie chaise, un joli bureau. Je sais plus ce que fait. Alors, on va prendre la flûte jaune parce que j'aime bien, mais je sais plus ce qu'elle fait. Flûte jaune, hatché! Il n'y a pas assez de cendres pour fabriquer cette. Voyons un peu, tu dois faire 80 pas de la cendre que tu veux que je fasse avec cet objet, hatché. Alors, la bleue. Une flûte bleue, hatché, c'est ce que tu veux, hatché? Je vais te faire ça, hatché, pour une minute. Ah, j'ai fini, flûte bleue. Prends, hatché! Oui, il faut absolument que j'ai la flûte bleue, la flûte jaune du coup. Hein. Je vais faire ça en off. Alors voyons voir, qu'est-ce que ça fait que la flûte bleue? La flûte bleue, c'est dans les objets. Une flûte en verre qui réveille les Pokémon. Oh! Eh ben c'est bien sympa. Par contre, faut, on l'utilise qu'une fois, genre tu souffles dedans et c'est fini? Je ne sais pas. Ah oui, je me suis informé aussi pour la Pokéball, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais gagné, on m'avait donné une Pokéball qui s'appelait une Bisball. Une boule qui, elle est très belle par contre. Une boule qui marche bien sur, sur un Pokémon déjà capturé. En fait, ça augmente la chance de 3,5, je sais plus quoi, enfin. Ça augmente de 3,5 la chance d'avoir, de capturer un Pokémon que, en fait, que vous avez déjà capturé. Genre, vous avez déjà capturé un Servipère, un Snake comme j'ai. Ou un Rakaïou ou tout autre Pokémon. Et si vous l'avez déjà capturé une fois, et bah que vous rencontrez un autre, et bah vous avez plus de chances de capturer ce Pokémon. Je trouve un peu cette Pokéball un petit peu con parce que dès que tu l'attrapes, t'as pas besoin de le récupérer. À part si tu veux faire des bébés, certes, c'est vrai. Tu récupères le même Pokémon, du coup il faut que tu récupères le même Pokémon, du coup il faut que tu l'as déjà dans ton Pokédex pour faire un bébé. Mais bon, ça sera pas très intéressant, voilà. Oh, c'est cool, on fait des one shots là, c'est cool. Et du coup, nous rentrons dans la nouvelle ville. La ville de Otekia. Voilà. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Excusez-moi. Putain, ces gens qui font du footing, du marching là. Oui, c'était des dresseurs à toucher. Dites pas quelque chose d'étrange, je n'ai pas trop ça, j'ai perçu quelqu'un entrer et sortir de la boîte du prof Cosmo. Alors, il a une petite arène de Pokémon, mais on verra ça plus tard. Je vais juste guérir mon. Mon serviteur. Parce que c'est mon copain. Ah oui, au fait, rappelez-vous-en que j'ai fait une interview la dernière fois dans un épisode où j'ai dit Burk au combat entre deux avec des journalistes. Oui, il s'appelle PC Danet, je vais parler de ça après. Et bah en fait, j'ai vu à la télé qu'ils l'ont passé. Et à la fin, il dit ah oh, et Snake, qu'est-ce que vous et Snake nous a donné un époustouflant commentaire Burk. J'ai loupé ça. J'ai pas pu vous l'enregistrer parce que c'était en off. Et je m'y attendais pas, mais c'était très rigolo. Voilà, dans une interview, ils disent Burk et ils sont contents de ce que je dise Burk. Alors, je vais juste vous montrer quelques Pokémon que j'ai capturés. Un Tarinor qui était caché dans des cailloux, dans les grottes, dans l'île de Myoka. Voilà, c'est un Pokémon d'île de Pâques, un petit proche. Mais je l'ai capturé parce qu'il était trop marrant. Et c'est ce Pokémon-là aussi. Le Helduff, le Hermur, voilà, qui est assis et vole. Qui est normalement se promène dans les trucs de buissons de sang. Voilà. J'ai fait une boîte aussi pour voilà, me rappeler des Pokémon. Voilà, j'ai Négapi, je l'ai tiré parce que maintenant j'ai Smogogo, enfin j'ai Moustique Junior, mais bon, je vais devoir le changer de toute façon, Moustique Junior. Et j'ai capturé aussi un Charter, Pokémon Feu. Et ce Pokémon là en fait c'est un Pokémon Sol et Feu. Je sais pas si j'avais montré la dernière fois, mais c'est un Pokémon Feu et Sol. C'est assez atypique, je trouve. Voilà, voilà, et aussi la boîte s'appelle PC Danet parce qu'en fait on a découvert que la dame qui faisait, enfin la personne qui avait inventé ce système de boîte, c'était Annette et j'ai rencontré, elle m'a dit ah salut Snake, tu sais comment ça marche tes boîtes, et elle m'a expliqué, puis voilà. Ah oui, et c'est là le monsieur qui peut nous permettre de changer les capacités des Pokémon qui avaient perdu leurs capacités. Ah là, on continue pour la suite, c'est quoi, je sais plus. Attendez, ah je veux lire. Ah le maison du maniaque des fossiles, tiens je l'ai pas vu, on va les voir tous les deux. Ah bah il y a une grotte. Mon grand frère c'est le maniaque des fossiles, c'est un gentil garçon passionné de fossiles, il adore creuser des trous aussi, il a creusé des trous tout seul. Tiens prends ça, tu pourras utiliser le tunnel comme mon grand frère. Oh cool. Wow cool, alors attendez, parce que là j'ai une putain de attaque. Tunnel c'est cool, creuse sous terre au premier tour et frappe au deuxième tour. Alors attendez parce qu'il faut que j'apprenne à qui, parce que le problème c'est que je pourrais l'apprendre à Galekid en vrai.
Parce que Galakid n'a pas de superbes attaques. Ouais, ce que je veux faire. On va le remplacer par la capacité sol qu'il a déjà. Coup de boue, parce que coup de boue, alors c'est bien, ça baisse la précision du Pokémon en face, mais vous voyez que ça fait que 20 dégâts contre 60 avec le tunnel. Alors je vais prendre. Voilà, je vais mettre tunnel à Galakid. On attend impatiemment aussi que Galakid évolue. Hein. Il a 3 évolutions. J'en ai cru qu'il n'y avait qu'une. Et en fait, il a 3 évolutions. Je suis un petit peu spoilé en faisant mes recherches. Je suis un petit peu déçu, mais bon. Que voulez-vous? Alors on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. On peut pas prendre le vélo. Non, on peut prendre le. D'accord, il y a des rochers. Bah, de toute façon, si on peut prendre le vélo, c'est qu'il n'y a pas de Pokémon. Il a creusé ça tout seul dans ce fond de sa cave, monsieur. Je sais, bah là, je connais les fossiles. Je suis un garçon passionné de fossiles. Tu veux un fossile? Patience, tous les fossiles du coin m'appartiennent. Tu n'en auras pas. Si tu veux absolument un fossile, va dans le désert. Tu risques d'en trouver dans les rochers ou dans le sable. D'accord. Ok. Alors, les fossiles, c'est à savoir que ça peut faire revenir des Pokémon antérieurs à la vie. Dans les premières générations, vous pouviez avoir un fossile de Terra, qui est un sort de Pokémon ptérodactyle. Et je sais plus le nom de l'autre Pokémon fossile. Voilà. Nous voici ici dans une autre petite aire. Et c'est ici qu'habite Annette, celle qui a fabriqué la boîte de stockage Pokémon. Et direct, on tombe sur un Pokémon. Alors que des fois, en off, je passe les herbes. Bon, ça s'arrête pas tout le temps. Mais des fois, je traverse une herbe et je me fais pas attaquer. Bon, ah, allez. Poison, allez, one shot s'il te plaît, mon petit serviper. Oui, mon petit snake, il est, où il est fort, les postures. Ah, oui, j'ai gagné aussi une pépite d'or. Je veux la montrer à mes copains. Vous êtes mes copains, je vous la montre. J'ai gagné une pépite d'or pour la revendre. Alors, attendez, ah, attends, je vais mettre, je vais donner Philippe Griff à quelqu'un par contre. Ah, faudrait que je donne un serviper, mais pour l'instant, il y a multi-ex, alors je vais le donner plus tard. Oui, j'ai une pépite d'or. Attendez, retour. J'ai une pépite d'or pure. Ouh, elle est belle, elle est. C'est à moi. C'est à moi. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit réflexe. Oh bah tiens, j'ai eu des V. Ça a poussé, excusez-moi, je récolte. Récolte ma semence. Vous ne voyez aucune allusion sur ce que je viens de dire. Voilà, je vais arroser ma semence. Mes plantes. Arroser mes plantes. C'est bien d'arroser les plantes. Ouh, 4 B repoids. Pour un moment que je les utilise les B, hein. Pour le moment j'ai rien trouvé pour les utiliser, hein. Ça va être plus tard dans le jeu, mais j'en ai plein de B là. Vas-y, bah remets des B et prends en B. Bien sûr, chaque B pousse plus vite selon. Ça dépend. Comme vous pouvez voir là, une petite. Il y a déjà une plante que j'ai mis, mais elle a pas poussé en même temps que les autres. Pourtant j'avais à planter avec le même temps que les autres. Mais dites vite parce que les gens ils veulent savoir la suite de l'histoire. Bon là c'était des dresseurs affrontés, hein, ça je vous l'explique pas. On va essayer de passer, oui on passe. Là il y a les petites fissures comme vous pouvez le voir. Où on peut mettre, bah du coup on peut se faire des cachettes secrètes. Je crois. J'utiliserai ça plus tard quand j'aurai un autre Pokémon. Parce que c'est une, comme c'est une compétence qui s'utilise une fois, là c'est pas une CS, c'est une CT. Et nous voilà. Le site Météor vers Merouville. Et moi je me suis arrêté là parce que justement il y a des méchants. Eh eh, avec les météorites, ce truc au mont Chimney va. Eh, je ne sais pas qui tu es, mais si tu croises la roue de la Team Magma, ne t'attends à aucune pitié. Laisse ça, Team Magma. Vous faites une grossière erreur si vous. Attends. Ah merde, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Vous faites une grossière erreur si vous pensez pouvoir diriger le monde à votre manière. Ah non, c'est lui, je vais donner une voix de merde. Eh eh eh, même la Team Aqua nous a rejoint. Ce serait trop si on devait vous affronter un par un. Et c'est pas grave, on a la météorite alors on va au mont. Attendez, je sais pas qui parle, du coup je vais pas faire de loi. Et à plus les crétins de la Team Aqua. Ah d'accord. Et nous nous sommes pas déjà en au musée de poivre style. Ah donc tu t'appelles les Snake. Cette fois-là, j'avais pensé que tu appartenais à la Team Magma. Ah, j'ai pas de vêtements rouges alors. C'est facile de les remarquer, ils ont un bandana avec un logo et des vêtements rouges. Faut mettre des lunettes, mec. Tu es vraiment une personne étrange. La Team Magma est un groupe de dangereux fanatiques. Et comment des acteurs pour essayer d'étendre la terre. Ce sont nos rivaux à nous, les amoureux de la mer. On adore faire l'amour avec les poissons.
Hé, ça, faudra pas se lâcher, Gwagma. Oui, 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 le fond, on a terre de pêcher. Pas besoin de se demander ce que les Gwagmas feront au chimney. Snake, tu devrais aussi regarder un oeil sur la mais adieu. Oh, y'a pas d'affrontement, je suis déçu. Oh, bah y'a des Pokémon par contre qui arrivent. Et un os, c'est reptile. Oh, au niveau 20. Ah oui, ils sont niveau 20 quand même là-dedans. Ah, malheureusement, ça, ça va pas faire grand chose. Est-ce que ça peut lui faire des dégâts avec morsure ou quoi? Ah oui, quand même, ça fait. Bah, il met une copie. Eh, copiteur, va, et oh. Ma copie. Faudra que j'utilise un petit peu Moustique aussi. Moustique Junior. On va même, on va changer. C'est juste pour vous. Parce que moi j'aime bien quand il y a le snake en premier. Mais pardon, excusez-moi. On va mettre Moustique Junior. Voilà. Pour que le voyez un petit peu ses dégâts. Je suis Cosmo, je suis un professeur. Les membres de la team Magma m'ont demandé la route pour aller au site météore. Mais ils m'ont piégé, ils m'ont même volé mon météorite. Et un autre coup est apparu qui était la team Aqua. Après ça, je n'ai plus rien compris. Mais ces petites Magma, que vont-ils faire avec ce météorite au Moshinde? Pas d'objet secret? Non. Ah oui, maintenant il y a plein de Pokémon qui vont m'arriver. Je vais peut-être mettre un repousse. En même temps, ils ont des gros niveaux quand même. Allez, Moustique Junior! Par contre, aucune attaque ne va lui faire de mal. C'est un Pokémon vol et poison, me semble, monsieur Lapti. Ou que poison, je sais plus. On n'a toujours pas capturé un. Hein. Je devrais le faire. J'ai toujours pas. Tiens, arrête de le capturer. Mais bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire. Devant vos yeux ébahis. Voilà. On va en capturer un. Hein. Allez, hein. Parce qu'il y a un moment, j'ai pas su beaucoup de Pokémon. Par contre, il faudra peut-être que je refasse le plein la prochaine fois. Allez, Super Bowl, go! Voilà, depuis le moment que je lui ai dit qu'il faut en capturer un. Et hop, les messieurs sont ajoutés au Pokédex. Mon Scorpy, il a perdu l'usage de ses yeux afin de vivre dans les cavernes obscures. Il utilise les ultrasons pour détecter les obstacles. Donnez un os, on va la... Oh oui, je sais comment on va l'appeler. Voilà. Dracool. Et on met pas le A. Ça fait Dracool, il t'en coule, pardon. Pardon. On l'utilisera jamais, mais ça faisait mal. Oh, une pierre lune. Oh, c'est bien ça. Une pierre lune, ça permet de faire évoluer certains Pokémon. Attendez. Il volait certaines espèces de Pokémon. Oh. Il y avait rien d'autre ici? Ah non, c'est... il y a une... un truc plus bas. Oh putain, il y a des Pokémon de gros niveau quand même. Hein. Pokémon, on va changer de Pokéto. Bon, on va changer de Pokémon. Ouais, on va essayer la nouvelle. Ah bah non, je suis con. Je peux pas faire tunnel avec lui parce qu'il vole. Je suis con, c'est pas grave. On va pouvoir faire grille d'acier, hein. Ah, voilà, je retrouve ma petite grille d'acier. Ça fait du lit. Mais arrête de mordre du métal, enfin de l'acier, ça doit faire très très cric-cric mal quand même. Allez, on commence, on lui arrache les ailes et les entrailles. Ouais, parce que c'est comme ça, c'est violent comme ça, Pokémon, faut pas savoir. Petit XP qui fait plaisir, hein. Oh, ok. Oui, c'est pour... Ah, c'était pour esquiver les... Oh, ok, bon, bah, j'ai esquivé les escaliers. Ouais, cool. J'ai pas fait exprès. Encore un autre petit, mais s'il vous plaît. Bon, on va laisser. On fuit. On peut pas remonter, on est d'accord. Ouais, on peut pas remonter. On prend la sortie. Site Meteor vers OTK. Ok, super. Du coup, on retourne... Ah, et ça ramène ici. Ah non, quoi que non. Je sais pas. Eh, hey, mon plus grand talent, c'est de pouvoir casser les briques avec mon front. Ah, bah, vous ne pouvez pas te prendre de Pokémon. Alors, t'as que des Pokémon combat, ça veut dire. Ok, et t'aimes bien détruire des Pokémon roche. Oh, le Machoc! J'ai pas montré mon Machoc aussi! Oh, mais il y a tellement de Pokémon que je vais vous montrer si vous êtes mes copains.
Allez, on lui jette un détritus à la gueule. Moustique, il adore jeter les détritus à la gueule des gens. Oula, attention, il augmente sa puissance. Il le muscle ses gonfles. Il gonfle ses muscles. Waouh, j'ai réussi à inverser mes mots. Je suis fort. Et le mec avec un Pokémon, c'est un évident. Là, tu as l'impression que je prendrai ma revanche pour mon entraînement. Bon, pour l'instant, j'ai plein de monde, mais ils veulent jamais recombattre. Je sais plus comment on fait. Ah oui, d'accord, ça ramène là où je pense. D'accord, ok, je vois où ça ramène. Vous allez tout de suite comprendre où ça rejoint. Allez, rocailleuse, attaque ce caillou qui est un peu de ta famille. C'était ton arrière-grand-mère, mais on s'en fout. Une super boule. Ah bah merci, ça me rembourse celle que j'ai utilisée. Ah, et ça que je voulais capter. Hop. 3 Béromu. Tiens, les Béromu, est-ce qu'on a déjà eu des Béromu? Est-ce qu'on en a déjà eu? Peut-être. Oh, ça ressemble à des framboises. Bon, c'est des framboises, quoi. S'il vous plaît, vous aurez pu changer un petit peu la couleur ou un petit élément, quand même. Est-ce que ça se voit, hein? C'est pas grave, on défie la nature, on arrache les plantes, on arrache les tout ce qu'il faut. Et on arrose après. Par contre, mon seau est rouge alors que c'est un seau Welmer et les Welmer sont bleus. J'aurais mis un seau bleu pour être dans la cohérence à tout automne. Et qui c'est que ça? C'est une resseuse. Cette plage est le camp secret où je m'entraîne, ne viens pas me déranger. Tu t'entraînes avec qui? Avec quoi? Tu fais quoi sur la plage? Tu te bronzes, tu peux le dire, hein, tu as le droit de bronzer. Hein. Bon, après. Bon, tu vas pas bronzer beaucoup avec un short et un débardeur. Mais bon. Tu veux pas avoir de coup de soleil au TT et je vais pas dire le reste. Je vais pas dire. Du coup, attaque. Des purées de pois, vas-y, pète-lui dessus! Moustique Junior, fais comme papa! Pète! Voilà! Ça, c'est un monstre, Junior! Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça m'a même pas empoisonné, mais sérieusement! Oh! Bah, il va se protéger. Il voulait pas que Moustique Junior lui crache à la gueule son détritus. Ouh, choc mental, par contre, c'est un Pokémon de combat qui a des pouvoirs psy. Okay. Ah, il est peut-être psy combat en fait. Bon, ça devient Mikao. Mahuputa va être. Bon, alors on va changer. Et on va mettre. Attendez, j'ai un doute. Le combat, le vol. Attendez. Oui, le combat c'est faible contre le vol, le psy. Et tout. Pas de Pokémon. Oh bah vas-y Galekid. Ah bah non parce que Galekid il... Du coup sa faiblesse c'est le sol et le combat. Et l'eau. Ah le mec il s'est connu en Pokémon. Le mec il, ça fait le 11e épisode. Il comprend toujours. On va faire un petit tunnel comme ça il pourra pas m'attaquer. Essaye de m'attaquer maintenant. Je creuse un trou. Et je creuse ton trou aussi en même temps. À ta tombe. Je creuse ta tombe. Ouch. Ouch. Super efficace, mais ça va, il résiste bien, Galekid. Coup de boule. Voilà, Zidane, vas-y. Ok, bah super, voilà. Bien, tu es libre de venir en retour, j'aimerais t'affronter de nouveau. Arrêtez de me stalker. Ah, on peut avoir un petit endroit secret ici, au bout. Secret. Hop là. Pour mater les filles qui se bronze. Mais pas du tout. Tu déranges ma méditation, je vais te le faire payer, espèce de salopère. Excusez-moi mademoiselle. Ah oui d'accord. Pouvoir à Pokémon Psy, ok. Ah ouais, du coup à mon avis, son combat est psy, mais Mediclipic. Hein. Ah. On lui crache à la gueule. Voilà. Oh oui, il est empoisonné. Ah, puissance cachée, c'est une attaque normale, ça va. C'est pas très efficace. Oh, zut, ça l'a pas fini. Un petit coup de boule. Un petit coup. Non. Un petit coup de bide. Spring va être envoyé. On change. Oui.
Rocailleuse, vas-y un peu aussi. Allez, on va montrer tous les Pokémon. On va changer un peu. Vas-y, Rocailleuse. C'est un petit cochon vécu qui tient sur sa queue. Ne sortez surtout pas ça de son contexte. En pleurs, vas-y. Voilà, une petite attaque sol. Sous ses pieds, on va voir s'il peut rebondir moins, si ça tombe de partout. Ah voilà, c'est plus difficile de rebondir quand le sol il tremble. Ouh, il snake monte au niveau 6. Ah merde, putain, je m'en doutais. J'ai un Pokémon là, tu peux le voir. Ah, bon vas-y, je peux te le piquer aussi le Pokémon là. Ah ouais, on a pas le droit de voler, on est pas des la Team Rocket. Putain, pourquoi je peux pas être la Team Rocket en fait? Ah bah le Mangriffe. Oh, il a un Mangriffe. Ouah, c'est de la triche parce que dans la version Emeraude, il n'y a pas la Mangriffe à capturer. Normalement, c'est que dans la version Ruby. Oh, c'est ce Pokémon-là que je voulais que ce soit 4. Je sais même plus ce qu'est un Pokémon normal, il me semble. Oula, il fait mal. Ah, tu te disais un Pokémon rare. Bah ouais. Tu m'étonnes. C'est un Pokémon d'une autre cartouche. Savoir que Pokémon Ruby et Saphir sont sortis avant Pokémon Emerald, parce que Pokémon Emerald est arrivé. Oh le Célipère! Oh non, j'ai pas envie d'attaquer le Célipère. Voulez-vous changer Pokémon Ruby? Saphir Ruby est sorti en 2002 me semble-t-il, et Emerald est sorti en 2005. A savoir que j'avais bien le seum quand il est sorti en 2005, j'ai su qu'il y avait un Pokémon Ruby, je me dis putain mais je voulais le Pokémon Redmond moi, avec Rayquaza. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, on peut pas tout faire. Ampleur 4, ouh, bah Ampleur 4, je parle le 4, Ampleur 4. Enfin oui, de 4 tout à l'heure avec le Mangri. C'est super efficace, mais ça lui a pas fait grand-chose. Va être empoisonné ou pas? Non. En même temps, c'est, j'ai fait en Ampleur 4. Ouh, Ampleur 10, dans ta... Oh, le pauvre Sébi, je suis désolé, c'est du père. C'est pas moi, c'est le zoo qui veut ça. Mais je le berce, en fait, je le fais pas KO, je le berce pour l'endormir, c'est pas la même chose. Et bah voilà, tu veux mon Pokémon, c'est ça? Bah vas-y, donne! Donne le Mangriffe! Katz, il va être content! Hein. Une PP+. Et du coup, ça me ramène là, ça me ramène ici, à Merouville. Et du coup, ça me sert à quoi de revenir ici? Faut que je fasse quoi? Il faudrait qu'il mette un rappel des trucs qu'il y avait à faire. Il y a un monsieur qui squatte devant l'ordinateur. On lui a déjà parlé à ce monsieur. Il était là avant. On va voir ça. Bon, vous avez vu le petit moustique junior. Je vais peut-être le changer. Ah oui, non, d'accord. Ok, on l'avait déjà vu. Je m'en rappelle. Alors, et du coup, on fait quoi? On fait qu'est-ce que... Que fais-je? Parce que là, moi, la reine, là, j'avais déjà eu, j'avais galéré, hein, avec... Non, j'avais pas galéré, c'était petit proche, mais bon... Ah, faut peut-être que je retourne voir le monsieur... Bonjour, bienvenue à la demande, nous produisons avec fierté des objets médicaments. Ah non, je l'avais déjà vu la dernière fois, il m'avait donné le multi-ex. Je sais plus ce que je dois faire. Le problème, c'est qu'il te rappelle pas dans le jeu les joueurs de tes... Ah! La nouvelle création de Levon, la Bisball et la Chronoball sont très appréciées des récepteurs. D'accord. Bon, la Bisball, la Chronoball, je veux bien, mais la Bisball. Alors, tu sais, je ne connais pas trop le mode de genre, mais les jeunes désertent tous cette sœur là. D'accord. Attendez, je reviens à Merouville, mais pourquoi je reviens à Merouville? Moi, ça me je suis perdu. Il y a sûrement un quiproquo quelque part. Oh putain, par contre, faut arrêter l'épisode là. Faudrait que je fasse des épisodes plus longs, mais. Parce qu'en fait les Pokémon ça te fait perdre du temps. Mais bon, en même temps c'est comme ça, c'est la vie, c'est Pokémon, il y a des Pokémon quoi. Je sais pas quoi faire du coup. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je sais pas du tout où aller, je suis perdu. Je suis retourné à Merouville, oui, mais pourquoi faire? Telle est la question. J'ai déjà été ici. Est-ce que j'ai squatté? Oh mais il y avait des gens qui squattaient ici. Vous avez des trucs. Je suis déjà venu ici. Ah oui, il y a la petite fille, ok d'accord. Ok d'accord, ok. Alors, du coup. Qu'est-ce que je fais? Que fais-je ici?
Faut que je retourne par là. Ah, faut peut-être retourner à la grotte. Pourquoi on va retourner à la grotte? Question, bonne question, Snake. Je... Oh. Oh, ça se voit que ça remonte loin, hein, quand même. Niveau 6, le nid rondelle, là. Ta gueule. Bon, bah, écoutez, je sais même plus où il faut que j'aille, moi. Dans tout ça. Parce que là, ça me fait retourner après à l'autre ville, la Poivre-Sel. Bon, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est Kratos. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, j'espère que j'aurai trouvé ce qu'il faut faire. Je suis déjà perdu, c'est magnifique, dans un jeu de Pokémon. Waouh, le mec arrive à se perdre dans un jeu de Pokémon. Il y a juste un truc à faire, mais je m'en souviens plus sûrement. Salut tout le monde et portez-vous bien. Snake5530, homme ayant le record du monde avec le plus de failles dans ses vidéos YouTube, doté d'un sens de l'orientation exécrable, il a déjà réussi à se perdre dans un couloir.